Salut à tous mes chers petits amis de YouTube, on se retrouve pour ce deuxième épisode multijoueur sur Star Wars Battlefront. Ok, alors là on est sur la planète froide, la petite planète froide, on est à 67 sur 75. Faudrait que je fasse un bon ratio là, un bon score. C'est parti. Oh la bataille, la bataille. On va passer par dedans. Nous allons perdre un point de contrôle. On a des ennemis derrière ou quoi là? Soyez vigilants, ennemis dans la zone. Voilà, lui il a mangé cher. Alors je connais une petite technique, c'est qu'on saute là. On saute là, voilà. On se met là. Après on n'a plus qu'à rester là. Voilà, lui il m'avait vu, c'est pas grave, je vais me cacher là. Voilà, bon, c'est un peu la planque du planqueur, j'ai envie de dire, mais on s'en bat les couilles. Hein. On va faire notre petit défi. Voilà, voilà, ça m'a permis de faire 3-4 bons kills. Oh putain! Allez, on continue à la normale. Aïe aïe aïe! Oui. Ok. En plus, c'est un jeu qui se joue en équipe, ça. Donc, très prochainement, j'aurai des copains à moi qui joueront avec moi. Ça va être cool. Boum! Trop fort! Trop fort! Je balance la grenade, il vient, il descend, bim! Aïe aïe aïe, là ça va piquer. Oh putain. Ah, j'ai eu. Ouais, je l'ai eu, je crois, lui aussi. Je crois que c'est moi qui ai eu le kill. Bon, bref. Attendez que je remplace cette arme, parce que ça, c'est une des armes la plus pourrie que j'ai. Je suis obligé de faire le défi avec. Attendez que je reprenne mon flingue ou quoi, vous allez voir un peu. Bordel qu'on va foutre. Go go go. Skywalker n'est plus. Maintenant, mettons un terme à cette rébellion. Putain, là c'est dangereux là. Wow, j'ai bien fait de reculer. Ah, défi accompli. Yeah, motherfucker. Hop là. Hop là! Ouh, je m'étais bien défendu là. Bon, j'ai eu mon petit défi. Ouais, 75 sur 75, c'est excellent. Donc maintenant, je peux reprendre une arme souhaitée. Alors, dégâts, refroidissement, blaster lourd, pistolet blaster. Moi, j'aime bien le pistolet, celui-ci est pas trop mal. On achètera une autre arme tout à l'heure. Voilà. Allez, ça pique. Ça pique, ça pique. On va passer par là. Passer dehors, c'est un peu du suicide avec ce qui se passe là. Les rebelles battent en retraite. Poursuivez l'assaut. Nos forces s'emparent d'un point de contrôle. Ok, je sais même pas d'où ça tire, mais ça tire sévère. Passer là. Boum. On va y aller doucement. C'est bon. Personne. Allez, dans la tourelle. Hop là, lui je l'ai eu. Hop là, lui je l'ai détruit, c'est bon. Allez à l'assaut, on y va! À la guerre!
se fait tirer comme des lapins, mais c'est pas grave. Voilà, j'apparais derrière les ennemis, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles. Ah bah victoire, voilà. Bon, dans l'ensemble, ça a été pas trop mal, je dois dire. Mais je me suis assez fait casser le cul quand même. Mon 15 frag est mort 10 fois, je suis en positif. Excusez-moi, des fois vous avez l'impression que je rage, mais en fait je rage pas, c'est juste qu'il y a des trucs qui sont tellement mal foutus que voilà, ça rend un peu fou, tu vois, c'est... enfin voilà, donc, j'ai passé rang 9 en tout cas. Ouais. Récompense. Ouh, j'ai quand même eu 1287. Ah oui, c'est parce que aussi j'ai fini mon défi. Détruire 25 véhicules, ça c'est un défi. Bon, il y a d'autres défis à remporter. Bon voilà mes chers amis, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va quitter la partie. Et on va voir si on peut s'acheter une petite arme ou quelque chose là. Petite amélioration là, ça serait sympa. Allez, allez. Voilà. Alors. Tac, tac, tac. On fait un retour, collection. Déverrouillage, on va dans les armes. Alors. Fusil blaster. Pas mal. Blaster de choc. Fusil blaster. Quelle est la différence entre ce fusil blaster puissant et précis? Le E11. D'accord. Ben on va acheter celui-là. Hein. Je vais me payer celui-là. Voilà. Il me paraît pas trop mal. Le E11. Quel est le rapport entre le DH? Un peu plus de dégâts, ouais. Moins de cadence de tir, plus de portée, moins de puissance de refroidissement. Ouais, il est pas mal, hein. Il est pas mauvais. Carte des étoiles. On a le canon à impulsion, grenade à impact. Alors déjà, je me ferais bien péter la grenade à impact. Je vais la remplacer par autre chose. Voilà. On va la remplacer de suite, d'ailleurs. Ici. Alors ensuite, on revient dans les cartes. On a déverrouillé le type de carte, la troisième carte qui vaut 1 000 000 €. Cryocellule. Ça, c'est pas mal. Le tir concentré, ça me paraît pas trop mal. On va déverrouiller le tir concentré. C'est un bonus que je peux activer, ça me permet d'être beaucoup plus précis. Voilà. Obtenir des charges. 25 charges, ça vaut 1700. Ah d'accord, après on peut acheter des charges. Il faut les acheter, d'accord. Alors, je vais aller dans ma main. Et je vais la mettre. Voilà. Donc ça, je peux l'utiliser 25 fois. Et après, si je veux reprendre des tirs concentrés, il faut que je les rachète. Voilà. 1700, les 25. Je peux les empiler par-dessus, bien évidemment, je pense. Mettons que je veux acheter, obtenir des charges. Voilà, ça va m'en faire 50, vous voyez. C'est pas trop mal ce système. Bon là maintenant, je suis à sec, il va falloir qu'on regagne des crédits. Et on est bien opérationnel pour la bataille. On a tout ce qu'il faut. On a pas mal de trucs. C'est déjà un peu mieux qu'au début. Voilà. Donc, moi je vous propose de réitérer l'expérience dans un prochain épisode. Je vais encore un petit peu jouer là-dessus. Et moi je vous dis salut à tous, portez-vous bien, peace!